Quelle étude avez-vous fait ? Moi, j'ai fait un DUT informatique, génie informatique pour travailler dans plutôt le tertiaire, donc banque assurance. J'ai exercé ce métier-là pendant une vingtaine d'années à mon compte et je suis venu aujourd'hui m'installer ici pour reprendre l'affaire familiale avec ma femme, donc qui est la fille de la propriétaire de l'hôtel-restaurant. Quelles sont vos motivations pour vous installer sur l'île ? L'idée, c'était de pérenniser l'activité, voire la développer. L'opportunité s'est présentée puisque ma belle-mère prend sa retraite, en fait. Oui, c'est mon fils. Donc ça, c'est la deuxième motivation qui nous a fait revenir sur Watt, c'est que on a deux petits-enfants et comme leur mère a vécu, grandi ici, on souhaitait aussi qu'eux ils puissent également profiter de la qualité de vie de l'île. Décrivez-nous votre activité de cette année. Donc c'est un hôtel-restaurant bar. L'hôtel est composé de 10 chambres, des chambres qui sont pour partie vue sur mer avec terrasse, qui sont soit des chambres doubles, soit des chambres familiales. Et puis donc on a une salle de restaurant où on peut accueillir jusqu'à 80 couverts, plus la terrasse extérieure. Et donc on a le bar aussi qui nous permet de vendre un petit peu de boissons, même si c'est aujourd'hui une activité à la marge. C'est quoi la saison ? On considère qu'on démarre l'activité aux vacances de Pâques, puisqu'on voit bien que l'hiver, il y a très très peu de personnes sur l'île et on ne peut pas maintenir l'établissement ouvert pour si peu de clients en fait. Est-ce que la situation géographique avantage l'activité ? Pour nous, je dirais oui, clairement, parce que le fait d'avoir la vue sur toute la baie, là, on peut considérer que oui, ça nous amène du monde. Les gens viennent chez nous pour la vue. Comment voyez-vous l'activité d'ici 10 à 20 ans ? 10 à 20 ans ? 10 à 20 ans, ouh, c'est loin. Moi, j'espère qu'on sera développé un petit peu et que, pourquoi pas, on aura un deuxième établissement sur une île voisine ou en Polynésie, pourquoi pas. Comment voyez-vous l'île d'ici 10 à 30 ans ? Aujourd'hui, j'ai pas énormément de recul, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a une bonne dynamique, il y a quand même un bon groupe de personnes qui cherchent à faire avancer et à faire en sorte que l'île continue de vivre, quoi. Je suis assez positif sur le fait que même si on sera plus sur une île d'activité pêche, puisque on est passé quand même de 45 bateaux à aujourd'hui il y a 5-6 bateaux. Quoi qu'il en soit, c'est remplacé par d'autres activités et je pense qu'ici il y a encore moyen de faire des choses. Et après je fais le zoom. Le zoom il est nickel. C'est bon. Par contre, t'as vu que la maison elle penche comme ça quoi. Et je me suis approchée et d'un coup j'ai vu la caméra là. Ah oui. Ils sont en train de me filmer, Laura. Non. Attends. Voilà.